Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nicolas Lebellier pour le Centre Multimédia des Pieux. On continue notre découverte des dégradés avec Photoshop Elements. Donc là, j'ai ouvert Adobe Photoshop Elements 2019. Alors, il faut savoir que même si vous n'avez pas la version 2019, l'outil dégradé n'a pas évolué de façon révolutionnaire entre les différentes versions. Donc je vais lancer l'éditeur de photos. Voilà. Alors, dans Photoshop Elements, la version, donc c'est la version grand public hein, de Photoshop, on a toujours trois modes. Hein. On en a rapide, guidé ou expert. Pour utiliser les dégradés, il faut se mettre dans le mode expert. La dernière vidéo, on a vu comment utiliser l'outil dégradé avec en passant par ici. Maintenant, je voudrais qu'on voit un petit peu comment utiliser les dégradés, mais en utilisant les calques de remplissage de type dégradé. Alors, pour ce faire, je vais créer un nouveau document. Je vais mettre pom 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 outil pardon, je sais pas. Séance dégradée. Ça, c'est peu importe, hein. Je peux mettre Toto, ça marcherait aussi bien. Donc voilà. Donc ici, j'ai mon document. Donc là, j'ai un calque. Et je vais pouvoir créer ici un calque de remplissage. Ici, il y a trois types de calques de remplissage, avec couleur unie, dégradé ou motif. L'intérêt de ces calques de remplissage, c'est qu'on va pouvoir. Là, si je fais celui de sélecteur de couleur, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si je veux changer ma couleur, il me suffit de cliquer sur la vignette ici et je peux changer la couleur. D'accord? Donc ça, c'est un peu mieux, ça permet effectivement comme ça de changer les paramètres qu'on a mis dans un premier temps, d'y revenir. Donc on a exactement la même chose avec l'outil donc avec dégradé, donc un calque de remplissage de type dégradé, donc c'est ici. Voilà. Et donc là, on va se trouver avec ce type-là. Donc on retrouve des éléments qu'on a déjà vus, hein, c'est-à-dire à savoir les différentes catégories. Voilà. Donc là, on a différentes catégories. Voilà. Il y en a ça, par exemple. Le bruit, harmonie des couleurs. Voilà. On a le style de dégradé, donc linéaire, radial. Voilà. Alors, ce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à l'outil dégradé qui était ici dans la barre d'outils, là, dès que je vais faire des modifications, je vais pouvoir les voir en temps réel. Donc, si je change, voilà, vous voyez. Alors que avec l'outil dégradé, j'ai ici, il faut à chaque fois que je redessine mon dégradé. Donc, privilégier ce type de solution, c'est-à-dire en passant par les calques de remplissage de type dégradé, vous verrez, c'est beaucoup plus intéressant à faire. Alors, donc ici, voilà, on a ça. Ici, donc le type radial, angle, donc voilà, on retrouve nos trucs. On peut changer l'angle de commande d'attaque, entre guillemets, hein, voilà. Alors, petite remarque, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous arrivez, vous êtes à 90. Alors, si je reprends le style linéaire, vous voyez, en fait, bah, c'est le contraire. Voilà. C'est-à-dire que là, on part dans cette direction-là. Donc là, la teinte qui est à gauche, vous allez la retrouver en bas de votre document et l'autre à droite. Donc, si vous voulez faire dans l'autre sens, faire moins 90 pour avoir la même représentation, si vous partez en haut ici et vers le bas, ça sera cette couleur-là. On peut changer l'échelle du dégradé. Donc c'est un paramètre qu'on n'avait pas avec l'outil dégradé. Donc on peut aller vers la droite. Voilà. Et donc là, ça va nous faire quelque chose de beaucoup plus gros. Hein. Donc là, si je mets 200%, on peut taper aussi une valeur de 100%. C'est-à-dire que là, je vois pas. J'ai juste. Comment on va dire? J'ai juste agrandi mon dégradé sur le document total
Voilà, alors si on fait 20%, on va peut-être voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, c'est que uniquement le dégradé se passera sur 20% du document total. Donc, vous voyez ici, c'est la couleur d'origine qui est là, à gauche. Et ici, à partir de là, hop, ça sera celle de droite. D'accord? Donc, si je vais. Alors, si vous voulez varier ça, vous voyez bien que quand je clique. Ouais, vous avez le son. Quand je clique ici, je peux pas. Donc, il faut bien finir, fermer cette fenêtre. Hein. Soit vous faites OK, soit vous fermez ça. Et vous changez ici. Donc là, si je mets 50%, vous voyez que c'est 50% du document qu'il va mettre. Mais sinon, il va rester sur la première couleur et la dernière couleur. Voilà. Donc là, si je mets 100%, bah, il part de là pour aller jusque-là, sur toute la hauteur, selon l'angle. Et voilà, donc si je fais 10%, hop, ça va être tout petit, tout petit. Donc là, ça peut être intéressant pour faire vraiment une transition très courte. Alors, on peut réduire, hein, pour ça, on va pratiquement pas voir de différence, on voit juste un petit trait. Voilà. On va remettre à 50%, on va remettre à 100%, peu importe. Alors ces valeurs-là, en fait, hein, c'est, y a pas de, y a pas de normes, hein, c'est juste quand ça vous arrange, entre guillemets, selon l'effet que vous voulez obtenir, vous réglez. Vous n'allez pas dire, il faut absolument que ce soit à 100% ou pas. De la même façon pour l'angle, ça dépendra de ce que vous voulez faire sur vos photos ou sur vos montages. Ok? Oui, donc l'angle, hein, ça va de 0 à 360, hein, voilà, enfin 300, alors 0, vous voyez, c'est ici, hein, c'est à l'horizontale. Voilà, ensuite on passe à 80, 90, donc ça va être par là, après 180, et donc vous voyez, si je fais, pardon, hop, 180, ça va être par là, 180, ensuite on va être à 270. Et voilà, 270, donc on est dans ce sens-là, et ensuite on revient à 360 qui refait comme si on était à 0. On a fait le tour du cercle, puisqu'un cercle c'est à 360 degrés. On peut inverser notre dégradé, donc là je vais le remettre à 50% et je vais le mettre en linéaire, pardon, pas 50%, je me fais une bêtise, je vais mettre à moins 90, voilà. Et on peut l'inverser si on souhaite, hein. Donc ça veut dire que ça va le faire dans l'autre sens, voilà. Voilà. Alors pensez-y, puisque des fois on veut obtenir telle chose, puis on a un petit peu, on trouve surprenant que c'est pas le bon truc, penser que cette case-là peut être cochée. Voilà. Alors ici, il y a simulé. J'avoue que ah oui, c'est parce qu'en fait, il peut y avoir des bandes quand on fait des dégradés, il peut y avoir une sorte de bandes qui apparaissent un peu trop visibles. Donc là, on doit pouvoir tac à tac. Attendez. Donc là, il me dit quoi? Corriger l'effet de bande par tramage. Grosso modo, si vous voyez les tramages, vous cliquez là-dessus. Aligner sur le calque. Alors, j'avoue que je ne sais pas si c'est un bug, mais je n'ai pas trop compris l'utilité. Voilà, alors si parmi vous, il y en a qui ont compris la subtilité de ce truc-là, bah, dites-le moi. Alors, en plus, j'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je ne l'ai pas trop saisi ce paramètre. Voilà. Bien. Alors ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est choisir à nouveau d'autres dégradés. Donc là, on a un dégradé magnifique. Enfin, tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Voilà. Alors, si vous voulez faire un dégradé particulier, ce qu'on peut faire, c'est toujours partir depuis un dégradé qui existe. Voilà. Alors, par exemple ici, il y a, c'est un dégradé de deux couleurs. Vous voyez? Donc, si je fais un double clic dessus, pardon, si je fais, excusez-moi, je vais recommencer. Si je clique sur cette zone-là, ça m'ouvre l'éditeur de dégradé où je vais pouvoir changer les couleurs si je veux. Alors, pour changer une couleur, vous vous souvenez, alors déjà ici, vous avez des petits crayons qui sont là, qui sont des étapes de dégradé. On appelle ça aussi des stops. Si je clique ici, remarquez un truc, c'est que la pointe du crayon devient noire. Ça veut dire que c'est ce point-là qui est, cette étape-là qui est sélectionnée. Ensuite, je vais pouvoir déplacer ce crayon. Voilà.
Hop, et vous voyez ce qui est intéressant là encore, c'est qu'on voit tout de suite l'effet sur le dégradé. Donc là, si je le mets à 50%, donc soit la position, je la déplace avec, oui, je prends mon le crayon, le feutre qui est là, c'est pas un feutre, je sais pas comment ils appellent ça, un taquet, un stop, enfin je prends le stop qui représente le stop, et je vais pouvoir le déplacer. Vous voyez, la valeur de la position bouge. Donc là, ça veut dire que de là, à 50%, il va rester cette couleur ici, cette couleur-là. Et ensuite, il va commencer le dégradé de là à là. Donc si je veux qu'il arrête à 75%, je vais prendre la couleur finale et je vais pouvoir la déplacer aussi. Mais je peux également taper une valeur là, 75. Voilà. Okay, donc vous voyez ici, de là à là, à moitié. Il va faire cette couleur-là, puisqu'on a mis la position à 50%, et celle-ci, on l'a dit, tu vas commencer, enfin de 75% jusqu'à 100% ici, de là à là, et eh bien tu vas rester dans cette couleur-là. Alors je peux soit, comme je l'ai fait ici, indiquer une valeur. Ce que je peux faire aussi, c'est appuyer là-dessus, et vous voyez, ça fait varier aussi. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous connaissez cette petite astuce. Voilà. Donc là, il a mis 84%, peu importe. Après, c'est surtout l'effet que vous voulez obtenir. Je vous rappelle ici le milieu de couleur qui indique que là, ça sera le mélange à 50% de la couleur qui est à gauche et 50% qui est de la couleur à droite. Donc, je peux cliquer sur le petit losange ici. Soit je le déplace avec ma souris. Voilà. Comme ça. Je vais mettre à 20%. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, de là à là, il va aller plus vite. Enfin, c'est-à-dire qu'on va atteindre plus rapidement le milieu de couleur. Et après, entre le milieu de couleur et là, ça va être plus progressif. Ok? Voilà. Si je veux replacer à 100%, je prends mon stop et je le déplace complètement à 100%. Ok? Imaginons que je vais remettre ça à 0%. Le milieu d'étape, je vais le remettre à 50%. Voilà. Imaginons que j'ai envie de prendre une autre couleur. Donc je vais cliquer dessus. Hop. Alors si je fais un simple clic, après je peux choisir là-dedans. Hop. Ici, je vais ouvrir le sélecteur de couleurs étape de dégradé. Alors là encore, hein, si je veux valider ça, si je choisis une couleur, si je clique ici, ça ne marchera pas. Bling bling bling, ça marche pas. Donc il faut bien penser à valider OK ou annuler, enfin, OK si vous voulez valider votre couleur, avant de pouvoir faire autre chose. Donc ça s'appelle une boîte de dialogue. Ouais, c'est un terme des années 80, peut-être pour certains, mais c'est pas mal de connaître les termes, hein. Boîte de dialogue, ça veut dire que l'ordinateur veut dialoguer avec vous. C'est sympa. Juste un point sur le secteur de couleur ici, je peux sélectionner ici hein, et vous voyez la nouvelle couleur obtenue, ça sera celle-ci. Allez, ici dans nouveau. Voilà. Ok, donc là, imaginons, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là, je vois en temps réel mes couleurs. Je n'ai pas besoin de redessiner le dégradé, de retracer un dégradé. Bien, alors imaginons, donc là j'ai choisi une couleur dans le secteur de couleurs, je valide ma nouvelle couleur, ça reste comme ça. Je peux aussi faire autre chose, c'est-à-dire que je vais pouvoir cliquer dessus, faire un double clic ici. D'accord? Donc soit vous cliquez dans cette zone-là, soit vous double cliquez sur l'étape. Ça fait la même chose, ça ouvre le secteur de couleurs. Donc, je vais reprendre cette couleur-là, voilà. Et puis, je vais ajouter une autre étape de couleur. Donc, pour ajouter une étape de couleur, il me le dit, cliquez pour ajouter une étape de dégradé, pardon. Voilà, je clique, hop, et j'ai un nouveau feutre, une nouvelle étape de dégradé, un stop de dégradé. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais faire un double clic. Là-dessus, et ça m'ouvre le choix des couleurs. Mais ce que je peux faire aussi, c'est ça qui est intéressant, un petit truc intéressant, c'est-à-dire que je peux aussi venir piquer une couleur sur le spectre qui est là. Si je veux récupérer, par exemple, une couleur qui est là, je peux.
Je peux aussi venir directement sur ma couleur là, mais je peux aussi déplacer ma pipette hein, sur le rouge qui est là. Donc le principe de la pipette, oui la pipette là, c'est de pouvoir de prélever la valeur de la couleur sur laquelle vous appuyez. Donc, si je clique ici, bim, ça va faire le rouge. Voilà. Si j'étais venu ici, vous voyez, ou même là, si je reprends une couleur au pif là, orange. Il me prend cette couleur-là. Donc ça, c'est la pipette. Donc pensez-y, ça peut être pas mal pour re retrouver des valeurs, des couleurs qu'on veut, enfin, qu'on veut réutiliser. Donc on en est là. Je vais changer. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre une autre couleur. Voilà, un sombre, hein, peu importe. Voilà, donc là j'ai une troisième. Donc j'ai une première étape de dégradé, une deuxième étape de dégradé et une troisième étape de dégradé. Je vais en mettre une quatrième. Voilà, et là je vais partir vraiment sur quelque chose de très clair. Voilà, et je vais faire OK. Donc vous voyez, on a des systèmes comme ça. Hein, voilà. Donc voilà un petit peu hein, le principe des étapes de dégradé. Si on veut l'enlever l'étape de dégradé, si finalement le blanc, ben non, ça va pas, ou celui-ci, ça va pas, je vais prendre l'étape de dégradé. Donc vous voyez, c'est la pointe noire est noire. Donc la pointe, pardon, est noire. Ici, elle est blanche, donc ça veut dire que c'est pas cette étape de dégradé qui est sélectionnée. Celle-ci, la pointe est noire, donc c'est cette étape de dégradé qui est sélectionnée. Et ensuite, je peux très bien la mettre à la poubelle. D'accord? Donc si je clique dessus, hop, à la poubelle. Si je voulais pas la mettre à la poubelle, je peux faire marche arrière en faisant édition. Est-ce que je peux faire édition? Non, je peux pas faire édition. Je peux pas faire contrôle Z. Est-ce que contrôle Z ça marche? Tac. Ah non. Donc ici, quand vous avez supprimé une étape de dégradé, attention, vous pourrez pas faire contrôle Z pour retrouver cette étape de dégradé. Contrôle Z étant le moyen d'annuler la dernière opération effectuée. Donc si je clique ici. Je vais pouvoir, par exemple, reprendre la couleur qui est là. Ça peut être intéressant. Hop, et vous voyez, ça fait ça. Ok, ça marche. Bien, on va simplifier un petit peu nos dégradés. On va enlever celle-là. Voilà. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Donc après, c'est à vous de jouer, hein, vous verrez selon ce que vous voulez obtenir. Ok. Ok, voilà, on a ça. Alors, on n'a pas parlé pour l'instant de quelque chose qui est que là, notre calque de remplissage, il a une opacité. Donc là, si je le mets à 0, vous voyez, c'est le calque d'en dessous hein, qui apparaît. Voilà. Donc si je le mets à 100%, c'est la totalité. Maintenant, je peux aussi avoir envie que le dégradé soit bien visible ici et que dans cette partie-là, le dégradé ne soit pas visible et après qu'il revienne visible. Comment je vais faire ça? Eh bien, je vais pouvoir cliquer ici, double-cliquer. Alors, c'est pas un double-clic, c'est un simple clic, ouais. Et ensuite, au-dessus du spectre de dégradé, j'ai d'autres crayons ici. Voilà, qu'on appelle des étapes d'opacité. Alors, ici, je vais cliquer sur cette étape d'opacité. Donc déjà, de base, vous avez deux étapes d'opacité, une à gauche, une à droite. Ça marche? Elles sont toutes les deux à 100%. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai cliqué sur cette étape d'opacité, il y a un petit le morceau et le bout du crayon est noir, et l'opacité, la valeur est à 100%. Identique, de la même façon, celle-ci est aussi à 100%. La position de celle-ci est à 100%, complètement à droite, et celle-ci, elle est au début, donc elle est position à 0. Donc, si je veux que au début, donc je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que oui, au début, je voulais que ça soit qu'il y ait ici une valeur, que l'opacité ici soit à 0. Donc, je vais cliquer dessus pour ajouter une étape d'opacité. C'est amusant parce qu'en fait il y a un petit bug en fait ici. Quand vous voyez, quand vous passez ici, il vous dit ajouter une étape de dégradé, mais en fait c'est une étape d'opacité. Voyez? C'est un peu dommage. Peu importe, on va faire avec. Hein. Voilà, donc là il y a une étape d'opacité.
Cette opacité, je la mets à zéro. Ça veut dire que bah, c'est comme de la peinture, hein. Si vous mettez une couleur opaque, ce qui est en dessous, vous n'allez plus le voir. Si vous mettez une peinture un petit peu diluée avec de l'eau, par exemple, eh bien, vous allez voir en dessous la couleur qui est en dessous. Bah, là, c'est exactement la même chose. Vous voyez ici, j'ai mis à, donc cette étape, j'ai mis à zéro d'opacité. C'est-à-dire comme si c'était un petit peu comme si j'avais mis une peinture très délavée, eh bien, je vois en dessous. Et qu'est-ce que je vois en dessous? Eh bien, je vois en dessous ce qui est vert là. D'accord? Voilà. Si je change ma couleur là, hop, alors je vais prendre quelque chose de. Voilà. Bon, je continue le vert parce que ça tranchait bien pour bien comprendre le principe. Donc, c'est bien parce que ici, j'ai de l'opacité à zéro. Que je vois le vert qui est en dessous ici. D'accord? Si je déplace ça, vous voyez que le vert va se déplacer. C'est-à-dire que là, mon dégradé ne va pas se voir. Et ensuite, petit à petit, il va reprendre une opacité à 100%. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le spectre de dégradé, on voit un damier. Donc, le damier, ça représente l'opacité. Ça représente les. Quand les pixels sont de plus en plus transparents. Donc on va remettre. Alors là c'est pareil, j'ai une position. Si je veux être plus précis, me dire que je veux mettre au milieu du document, je mets la position ici pour l'étape d'opacité, je vais la mettre à 50%. Voilà. Donc là je verrai bien mon dégradé et à partir, ça va être progressif où mon dégradé va ne plus être actif et après il va redevenir actif. Ça marche? Voilà, donc imaginons qu'on n'ait pas envie de le mettre complètement inactif, mais qu'on mette juste à 25%. Ben, vous voyez, il va y avoir un mélange entre la couleur qui est là et la commande. Alors, on va peut-être mettre à 50% pour mieux voir, peut-être. Voilà. Et la couleur de derrière. Ça marche? Voilà, donc ça, c'est le principe des étapes d'opacité. Ici, on a aussi le milieu d'opacité, donc ça veut dire que c'est entre la valeur qui est là, donc de 100%, pour atteindre la valeur qui est de 50%. Remarquez qu'ici, la valeur d'opacité à 50% a fait que le petit carré ici, il est gris, il n'est pas noir à 100%. Si je mets une autre étape d'opacité que je la mets à 0, vous voyez qu'elle est blanche. Alors le blanc ici, c'est un peu dommage, mais bon, là, ça veut dire l'opacité à 0. Ok, donc j'ai enlevé cette étape d'opacité. Donc ici j'ai un milieu d'opacité, ça veut dire que là, eh bien ça va être entre, on va dire, à mon avis ça va être à 75%. Voilà, puisque là on essaie de passer de 100% à 50%. Voilà. Si je veux déplacer, c'est que dire que je veux que ça soit le 75% qui soit d'opacité qui soit plus rapide ici, je peux le faire. Ça marche? Bien, on va s'arrêter là pour cette leçon, puis on verra d'autres mises en pratique. Voilà, entraînez-vous bien, à bientôt.